Après la pluie, le soleil et une richesse touristique pour le département, sa rivière. Avec ce superbe soleil, impossible de ne pas goûter aux joies de la rivière La Mayenne ici, à Château-Gontier, au port de Plaisance. On peut louer toutes sortes d'embarcations, dont cet énorme bateau. Numéro 5 et 6 dans l'ordre de fabrication, assemblés en Mayenne avec des composants ligériens. Ils font donc partie des bateaux à louer, 8 euros pour 15 minutes. En fait, un gros jouet qu'il faut quand même maîtriser. Voilà. Bateau électrique et puis sans bruit, et puis il a tout d'un grand et on a les sensations à la fois du bateau offshore et pratiquement avec une petite vitesse réduite sur la rivière La Mayenne. Mais La Mayenne, ce sont aussi les pénichettes en location à partir du Maine-et-Loire. Avec le traditionnel passage des écluses, sourire garanti grâce au personnel saisonnier, éclusier et aussi un peu guide touristique. Est-ce que vous parlez avec les plaisanciers ? Oui, bien sûr, déjà pour savoir s'ils montent ou ils descendent jusqu'où, pour appeler après nos collègues plus haut, et pour savoir d'où ils viennent, jusqu'où ils vont, ce qu'ils font de leurs vacances, en attendant que l'eau monte ou descende. En Mayenne, il y a 37 écluses et 36 maisons éclusières, dont quelques-unes transformées en gîtes pour les amateurs de calme et de nature.